Vas-y. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 avec le grand, le magnifique, le sublime Gelden. Non, on avait dit juste le magnifique. Oui, c'est vrai. Tout Gelden le simplement. magnifique. Salut à tous. On allait faire des bisous à Valkia apparemment. Ouais. Donc vas-y, je te laisse Ben, la main. on allait la Victoire de jouer. justesse. Ouais, avec des pertes moyennes. Ah oui, Là. non mais ah oui, elle a trois armées. Ah oui, j'avais oublié ça. Ce petit Ah oui, détail. c'est pour ça qu'on avait dit qu'on la faisait à cet épisode-là, c'est parce qu'il y avait 12 millions de mecs face à nous. C'est ça, je me souviens. Est-ce que je fais de la séduction? Attends, t'en joins? Bon, tant pis. Ah, ok, j'ai annulé. Ah non. J'ai annulé. Aïe, elle va annuler. Déjà, est-ce que j'ai des sous? J'en sais rien. Ah oui, et elle a 12 trolls. D'accord. 12 trolls. C'est pas grave. Elle a un enfant de corne, bon. Ah oui, et t'avais justement, t'avais dit que t'allais faire taper les chevaliers sur les chevaliers, c'est pas ça? Que t'avais les mêmes qu'elle. Oui, si, Si, c'est c'est. ça. J'ai les chevaliers du Voilà, trône bon. d'airain, les massacres de cornes qui sont là. Ah oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, ça fait au moins 8 mois qu'on n'a pas tourné. C'est ça. Parce que Akat, il fait des Akat, il trucs. Il travaille. fait des trucs un peu bizarres. Ouais, ça s'appelle du travail. C'est ça. Ouais, Ah oui, non, mais elle est pas mal, Valkyrie, en vrai. je peux pas lui recruter deux unités, c'est chiant. Donc je peux En en vrai, elle est pas recruter qu'une. dégueulasse, hein. Un Bah, Valkyanounette. pourquoi est-ce qu'elle serait dégueulasse? On Mais peut non, mais je parle en termes de stats. supposer qu'elle s'est lavée. Hein. Oui, c'est vrai. Elle est anti-large, perce armure, vol. Normal. Moi j'ai deux armées quand même aussi. Hein. Ah mais elle en a trois. Ouais, mais moi j'en ai deux. Enfin, elle en a deux et une garnison. Qu'est-ce que je vais lui séduire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui séduire quelque chose? Bon allez, rejoins et puis. Tant pis, je vais pas gâcher mes sous. Même si je crois que j'en ai plein. C'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Les chevaliers maraudeurs, ça existe vraiment cette chose? Ouais, comme Elle quoi. avait des loups de givre hein, quand même. Bah ouais, bah bientôt elle en aura plus. Ah ouais, non mais. Et elle a la barre rouge de corne. Alors je sais jamais ce que. J'ai jamais su ce que ça faisait cette barre rouge parce que j'ai jamais joué corne. Bah ça donne en fait des buffs à ton armée. Entre autres, et je dirais presque surtout, des buffs de mouvement. Ça te permet d'avoir des armées qui vont à vitesse exponentielle. D'accord, c'est pas mal. Oui, c'est Compris bien par fait. la De furie toute de façon, sous. globalement, la faction Khorne est quand même vraiment complètement fumée. Oui, non, mais ça c'est corne. Enfin, je veux dire, on l'a bien vu sur la partie du Signe Noir où je sais plus Scarbrand avec un seul mec, il a tué 20, une unité de 20 squelettes. Ouais, c'est un peu ça. Et tu fais quoi? Pardon? J'ai pas bien vu. Mon armée est où? C'est d'ailleurs pour ça, moi, quand j'avais eu la toute première campagne sur Total War Warhammer 3, que j'avais joué Slaanesh, le premier truc que j'ai fait, c'est foncer sur Scarbrand. J'ai dit, lui, il meurt. De toute façon, t'as pas le choix. Oui, non, mais si, tu peux très bien partir, commencer à Bah non. l'attaquer et partir sur une autre faction. Ouais, enfin bon, t'es quand même en guerre contre lui, c'est quand même ton voisin, donc. Oui, non, mais c'était. Voilà. Ah, j'ai de nouveau fait une boule, enfin une ligne Une boule, écrasée bah oui. sur. Je sais pas pourquoi on a ce bug là. Je sais pas non Hein. Pour moi, c'est un bug, mais. Je comprends pas. Ouais. Alors, ça c'est mon armée. De toute façon, on va attendre. Le truc, c'est que lui. Moi j'ai de l'artillerie. Dans mes renforts. Si, dans mes Alors, renforts. attends. Non, je te jure. Pour le moment, tu en as. Non, non, j'ai de l'artillerie. Comme tu vas me la confier, pour Non, le non, non. moment, tu en as. Non, non, non. Toi, en général, je te confie les trucs qui sont lents et solides. Voilà. Ça veut tout dire. Les gros trucs, quoi. C'est ça. Ouais, il y a quand même 6 balles dans le lot. Ouais. Et moi, je prends les trucs qui sont rapides et mobiles. Tiens, je te file les deux monnettes. Ouais, très très sympa Valkia quand même. Hein. Je crois qu'elle a des stats plutôt cool. Ouais, non, si, elle a des bonnes stats. Hein. Bon, donc en fait, on va attendre les renforts tranquillement.
Ah, on attend? Ouais, puis quand on aurait. Bah sinon le truc c'est que mes renforts vont pas servir à grand chose. Et puis là, il a quand même du monde quoi, donc on Donc va. on... Hop. Ah non mais d'accord, ok. Ouais, mais voilà, tu te places gentiment. De toute Ok, façon, lui, il va pas bouger. Ah, les le monsieur renforts il sont lance pas arrivés. parti. Cache. Chez lui? Non, chez moi aussi. Comment se fait-ce? Mais c'est vrai. Ça ne fait que 23 secondes. Va charger. Bah ouais. Alors attends, il Enfin, faut. eux ils arrivent dans 37 secondes, hein, donc bon. D'accord. Bon, il faut que je répartisse les troupes en plus. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Alors nous, quand on est elfe noir et qu'on attaque avec des arches noires, il faut qu'on attende 10 minutes. Mais alors eux, c'est Ça c'est instantané, quoi. pour C'est toi. vraiment Non pété, mais quoi. je crois que j'ai un truc qui me permet en effet de d'accélérer les l'arrivée des renforts. Ah mais tu as un géant. J'avais Oui. pas vu. J'ai même le géant de. C'est même toi qui vas le contrôler. C'est le géant de Nurgle. Hop. Il est dégueulasse. Regardez-moi, il a des fesses pleines de pustules. Il C'est s'est dégueulasse. peut-être lavé lui aussi. Ah mais ses fesses, elles sont quand même pleines de pustules. Tu vois? J'ai pas souvent maté le cul d'un géant. Ouais. Ça discute. Peut-être que t'as des meilleurs graphismes que moi. C'est pas impossible. Si, regardez, là il y a une grosse pustule jaune dégueulasse là. Ah mais Oh. je vois pas ce que tu vois toi. Oh, bah. Ouais, mais je remontre aux gens. Oui, mais j'ai bien compris. Donc si vous voulez voir la vue pleine de pustules, venez sur ma chaîne. C'est ça. Voilà. C'est encore mieux. La vraie expérience. Y a peut-être des gens vraiment bizarres. Hein. Ah bah écoute, y a des gens qui aiment bien Nurgle, hein. Je connais des gens qui aiment bien Nurgle, donc. Attends, ce qu'on va faire, c'est que eux, ça va faire un deuxième groupe qui va attaquer par la gauche. Alors, Et eux, les ils aspirants vont attaquer champignons. par la Ils vont droite. aller avec les aspirants champignons. Tac. Voilà. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Bah écoute, non mais ça va le faire. Voilà. On va se réorganiser au fur et à mesure du temps. Oula, il y a des gros trucs jaunes autour d'eux là. C'est quoi? Je sais pas, ça va être un buff. Ah c'est le Vigo Festling, je sais pas quoi. Les renforts ennemis sont en adresse. Ouh, ça fait du monde. Je crois qu'il nous fonce dessus. Non, Il nous non, fonce il dessus. se réorganise. Corne qui fonce pas, je trouve ça très perturbant. Ah ouais, ils sont nombreux. Mais pourquoi il y a des carrés verts et des carrés rouges? Des bannières rouges et des bannières vertes. Je ne sais pas. Si, c'est parce que ses alliés, c'est des Norsques. En fait, c'est des. Attends, ils me font dessus là. Mais, que fait-il avec ses chiens de corne? Où ça? Où À sont-ils? droite, je sais pas, Ah oui, il je envoie pense qu'il veut se suicider. ce petit suicidé. D'ailleurs, je pense que. Ça va se passer. Il recule pas, hein. Par contre, son moral, lui, il a compris. ça s'est mal passé. C'est sale. C'est sale. Ah, mais il fait la même, avec ses chiens de guerre norse. Ah oui. Attends, moi je vais. Alors. Par contre, annule le tir du canon Apocalypse. Non, mais Parce qu'on va peut-être. je vais envoyer aussi ma Arrête. cavalerie. Mais sinon, t'attends, hein, y a des halbardiers devant. Ça devrait bien se passer. Non, parce que les hallebardiers, c'est anti-large et les chiens, c'est de taille normale. Ouais, non, mais c'est des aspirants champions avec. Enfin, c'est des mecs d'élite là, donc c'est bon, Moi, ça ça va va le bien se faire. passer aussi, hein, t'inquiète pas. Hop. Puisque tu. Si tu le dis. Ah, tu les vois plus. Il s'était caché. C'est quoi ces. Ah, mais c'est des. Ah, t'as Attends, des. là-haut. On va faire encore en sorte de se réorganiser un peu. Ah, oui, t'as des dragons ogres, Ouais, j'ai d'accord. des dragons. Non, c'est une vraie armée sympa. Mais tu es très fatigué. Il est noté. Ah, je suis peut-être effectivement en marche forcée. Ah! Bon. Il y a des balises qui ont tiré également. Il a Alors, décidé je sais pas d'avancer si les vers chiens ils eux ont un pris des peu. dégâts là, mais. Attention, t'as une cavalerie norse qui te charge dessus. Ouais, je sais. Avec H2G. Attention. En fait, il y a. Pourquoi j'ai des guerriers du chaos moi? Merde. Je suis Tu es mal chargé. planté. Oui, non mais je me suis planté.
Je viens en Ah, renfort. je me suis trompé de... Bah attends, je te les refile. Ils sont dans la merde, donc je te les refile. Ok. Non, mais Tiens. ensuite je fais Tiens là. demi-tour. Je fais demi-tour. Eric, Oui, t'appelais. ils sont pas du tout au bon endroit. Ah, ça y est, il est sorti du bois. Oui, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit. Je viens en renfort pour t'aider. Parce que ça va mal se passer là. J'en suis sûr. Je pense aussi. Allez, pauvre petit. Bon, les guerriers du chaos là. Hop, tapez-moi ces maraudeurs, chevaliers. Voilà, il fuit déjà. Bande de nazes, bande de lâches. Bon. Nous, on va bien se mettre. Pourquoi je peux pas contrôler les guerriers du chaos? Merci. J'en demandais de se déplacer, ils se déplaçaient pas. Trop bizarre. Alors ça c'est un sorcier. Attends, je pourrais lancer des sorts avec un sorcier normalement. Ouais, il Qu'est-ce que paraît. je peux lancer comme sort? Ah, j'ai le bulleur d'esprit avec lui. Ah, Ah, sur Valkia, je peux ça peut être très beurre drôle. l'esprit de Valkia, mais un peu loin encore. Fais attention, tu as des lanciers maraudeurs qui chargent sur ta cavalerie. Oh mon Dieu, j'ai peur. Ça risque de mal se passer pour tes... Tiens, pour la cavalerie. je vais faire un petit debuff de zone là. On va faire les malins. Ah non, mais si, si nous attaquent par petits groupes comme ça va le faire, hein. Ouais, mais je vais reculer de toute façon avec ma cavalerie. Tu t'es droite. Hop. Ça Je sais sent pas pourquoi il le fait ça. sale. Pourquoi il se petit suicide comme ça? C'est complètement con. C'est pas faux. Pourquoi les hauts-elfes ils font pas ça? Quand ils attaquent les elfes noirs? Ça pourrait être très pratique. Les guerriers du chaos, je propose qu'on recule avec le petit groupe tout en haut là. Le petit groupe tout en haut. Qu'est-ce Ouais, que tu celui veux dire par là? avec tes deux unités de guerriers du chaos Ah, oui, on peut. que je me suis planté. Et j'ai des chiens qui me chargent. Mais non, ça va bien se Ah, passer. c'est les chiens. Ah, attention, il nous fonce dessus, avec toute son armée. Il a fini de se petit suicider. Maintenant, il va se grand suicider. C'est ça. Alors, on disait un petit buveur d'esprit sur la mer Valkia. Alors, putain, j'ai trop Ça devrait d'unités. être assez Hop. efficace. Je pense. Je peux su envoyer une boule de feu. C'est drôle aussi, la boule de feu sur Valkia. Oh, ça marche pas si mal que ça, hein. Ah, il me jette des trucs. Ça va, c'est pas très efficace. Ah, la boule de feu a raté. Elle a whiff. Bon, un peu le bordel Ah quand oui, non, même. mais tu t'es reculé vraiment loin. Merde, c'est pas grave. On va Non, encaisser. mais je reviens, je reviens, je reviens. Non, mais je reviens. Ça sent la... Non, mais Ça... t'inquiète pas, les maraudeurs à armes lourdes, je m'en occupe avec les lanciers. Tu peux faire autre chose de ta Infanterie. vie. Ouais, j'ai surtout Valka qui vient direct sur Sigvald et sur mon... Non, elle est pas trop sur Non. nous, Ah bah non. mais on va l'accueillir. Comme il se doit. C'est pas un souci, ça. Bon, de toute façon, il est là, hein. Je pense qu'il faut envoyer la sauce. Hein. Ouais. C'est Là, je... exactement ce que j'étais en train de me Là, je dire. vais faire un gros sort quand même parce que je le vaux bien. Ah bon? Tu fais de la pub pour eux aussi? Hop. Le sponsoring? Chez moi, on nous fait tous les râteliers. Hop. Tac. Bim. Bim, bim. Ensuite, une petite abîme de noirceur. C'est sympa les abîmes de noirceur. Ah oui, non, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Sur les gros groupes qui arrivent là. C'est long à lancer par contre. Non, ça va. C'est un beau gros tas, je trouve. Ah oui. Toi Je ne vois sur ton rien. char, c'est clair. Il y a des nuages, nous ne voyons rien. Il y a du brouillard. Valkia, un autre buveur d'esprit, est-ce que tu en veux? Est-ce que Je pense qu'elle va pas dire tu as non. bien aimé le premier? Ah, il paraît que Zixval se fait attaquer.
Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Oh là là. La mêlée. Dark sorcery unleashed. Le géant fait ce qu'il sait faire. Écraser. Elle est où Valkyrie? Ah, elle a perdu un quart de sa vie. C'est déjà pas mal. Alors, à droite ça va. Oui. À gauche, c'est la merde. Bah, il y a un peu plus de monde, il y a quand même le gros de ces troupes. Non, en fait, tout à gauche, je croyais que tu avais envoyé des troupes, mais non, je n'ai que des enfants de Slaanesh qui sont en train de se faire défoncer le cul. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont avoir accès à notre artillerie. Ouais, mais c'est bon, j'ai ma cave. Qu'est-ce que je peux faire? Commandement. Alors, aspect là, on du chevalier du ténèbre. Ah, je peux, ça c'est bien. Les chasseurs maraudeurs. Durée de l'effet augmentée. En zone. Allez, on va débuff un peu tout le monde. Tac. Par contre, j'ai plus de magie après. Le géant, il a pas l'air très très efficace. Il ouais. a pas l'air très très concerné par ce qu'il fait. Je ne vois rien. Ouais, bah c'est un peu pareil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, ils n'ont pas accès à notre cavalerie, puisqu'on les a tous défoncés. Maintenant, on peut revenir en arrière. En avant, plutôt. Alors. Je lag. C'est toi qui lag. Oh oui, oh que je lag. Ton PC, il apprécie pas trop la bataille. Ouais, il trouve que c'est un peu violent. Ah bah ça, quand t'as 5 armées... C'est un peu le problème des Total War aussi. Hein. Au niveau de... Après là, il y a beaucoup de choses à afficher. Il y a beaucoup de choses à afficher. J'aime pas trop quand même en fait tout ça. Parce qu'il y a quand même ces fuyards qui vont arriver dans mon artillerie. Et ces fuyards vont me régénérer. Pour regrouper. J'envoie une unité de troll pour les troller justement. Pourquoi? Non mais c'est bon, j'ai mon... Pourquoi est-ce qu'ils ont lâché leur... Il y a de la fuite en mars. Ah oui, le problème en fait c'est qu'il... Du coup ils... Non. Ah putain, bordel. Ah, les démonettes ça gagne contre Vigo. Bah allez-y. Ça gagnerait. Je suis toujours un peu dubitatif sur les petits triangles verts. Hein. Oui, ça. Hop. Bon, en plus, j'y vois doublement rien parce que j'ai le soleil qui donne dessus. Oh là là, comment il se cherche des excuses. Bon, à droite, je pense que c'est bon. La victoire doit être à portée de main. Je sais pas, je te dis, je vois rien à mon écran. Donc tout va bien. Et t'as pas besoin de voir, il faut taper. Ouais, enfin. Faut quand même que je vois ce sur quoi je tape. C'est mieux. Des guerriers du chaos, c'est bon. Valkia. Allez, soldat, merde. Bah, elle a 12 milliards de PV et puis elle a beaucoup d'armure. Oula, attends, je peux même pas sélectionner mes trolls. Non, les trolls vont mourir. Non, fuyez. C'est pas des trolls, c'est des enfants de Slaanesh. Ils sont plus que 4. Fuyez. J'y vois rien. Ah, enfin, la cavalerie arrive. Est-ce qu'elle arrivera à l'heure? Telle est la question. Bah, il reste les deux seigneurs. Pas les deux. Il reste un petit peu de mecs au milieu, ça fuit complètement, ça fuit pas complètement.
Il y a un des seigneurs qui fuit complètement. Welch. Alors, question, c'était une attaque de colonie, c'est-à-dire que si on le tue, on n'a pas besoin. En tout cas, Valkia est en train de fuir. Un petit Katsuki, ça fait combien, 15 jours qu'on n'a pas tourné. J'ai beau voir une... Valkia fuit. Quelle lâche. Ça, c'est clair. Elle fuit alors que des chiens, des guerriers de cornes restent, quoi. Quelle honte. Je pense qu'on a gagné. Oui, je pense que c'est plutôt pas mal. Il lui reste un rejeton du chaos, attends. Ça devrait bien se passer. J'ai immobilisé Valkia. Ah, avec le buveur d'esprit. Bah non. Elle s'est envolée. Quelle traîtresse. La sentimentale. Bon. Bon, il va mourir ce rejeton du chaos. Il est où, hein? Je vois rien. Il est au milieu de la mêlée. Un tel bordel. Bon, je fais terminer direct, hein, comme je sais pas où on en est. Hop. C'était un peu le bordel. Je vais fermer mes volets pour y voir quelque chose. Le tas de cadavres. Ouais, ça va. On a perdu que 220 mecs. Ça va. Ça va. Par contre, eux, ils ont pris cher. Et ça, c'est bien. Heureux. Là, je disais que nous, ça va, on n'a pas pris si cher que ça, mais eux, par contre, ils se sont fait mais dépouiller, quoi. Bah oui, bah, c'était un peu l'idée. Hein. Non, mais... N'empêche, je j'ai pas compris pourquoi il s'est petit suicidé au début. Bah non plus, bah, tu sais, l'IA, on la comprend pas toujours. Hein. Ouais, non, mais... Les jardins glaciales. Ah si, je pense que t'attaquais une colonie. Et je pense que si tu la tues, elle mourrait. De souvenir. Je sais pas. À mon avis, comme j'attaquais le Valkia, elle devait être à l'extérieur. Parce que c'était pas la colonie que j'attaquais, mais Valkia. Donc. On verra bien. Au pire, tu peux toujours réattaquer. Hein. Ah, absolument. Enfin, si j'ai le mouvement qui va bien, oui. Parce que bon, là, ça devrait peut-être être une victoire décisive, je pense. À quoi que tu vas peut-être perdre tes enfants de Slaanesh parce qu'ils sont. Il en restait plus que 4. Non, ça va. Bah, c'est 4 sur des unités de 8 ou 12. Hein, donc, Merci Yuki. Merci Yuki. C'est le café du AK qui arrive. Bien. Ouais, ils ont vraiment pris cher. Ouais. Non, mais je te dis un moment. En fait. Comme je croyais que sur la gauche, tu sais, t'avais de la cavalerie, je croyais que tu venais m'aider sur la gauche. Et ils se retrouvaient tout seuls contre un quart de l'armée. Oups. Ah oui, non, là, ils ont vraiment pris cher, par contre. Qu'est-ce que je prends comme... Bon, je vais prendre de la régène. Oh non, des âmes. Oui, t'as pas besoin d'âmes. Des âmes, si, j'ai besoin d'âmes. Moi, j'en ai pas beaucoup, des âmes. Reine détrônée, a vaincu Valkia, attaquant mêlée plus 4, dégâts des armes performantes plus 20. Ça tombe bien, Sylvain, il avait un peu besoin de ce genre de truc. Ah bah. Et comment ça se fait que son. Que ça. T'as vu que ça. Ah non, je regardais pas la bonne garnison. Alors. Du coup, qu'est-ce qui reste? Bah, tu peux. Bah, Valkia, pas grand-chose. Valkia, plus Valkia. Attends, je remets dans le bon sens. J'aime ce jeu qui arrête pas de te faire. Il n'y a plus son armée. Il n'y a plus que le jardin glacial avec l'armée de Welsh dedans, quoi. Et victoire décisive en auto, sans perdre, j'imagine. Tiens, tu vas bien attaquer enflammé en plus. Sans perte. Sans perte et sans reproche. On perd rien, même pas les enfants de Slaanesh. Nickel. Bim. Très bien. Que je ça, c'est fait. Peux raser. Ça c'est fait aussi. Faction okay, détruite. Bon. Mung. Ah bon. Alors, nous on avait des problèmes à gérer ici qui s'appelaient Ala, j'en ai marre. Ala Akbar. C'est ça. On va peut-être pas faire cette blague trop souvent. Non. Ah oui, puis il y avait une autre armée qui arrivait en bateau. C'est vrai. Alors, deux solutions. Qui n'était pas une blague.
ou je fais la tortue dans ma tant que Moratti elle revienne, parce que Moratti elle va se faire le pic des tyrans et elle pourra revenir. Ah non, elle pourra pas revenir. Il reste quoi ici? Il reste que deux colonies. Ouais, je peux finir avec Moratti ces deux colonies là et puis revenir avec ma troisième armée qui est là. Witness my beauty. Hop. Toi, t'es quoi, t'es le sorcier, toi? Ah oui, on avait tué Exoalt, c'est vrai. Je m'en souviens. Je peux construire des trucs dans mon arche noire. Ah oui, elle m'avait annulé mon recrutement d'arche noire, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça me rappelle un truc. Alors. Let us corrupt. Là, je construisais quoi? Un truc pour les ombres. Très bien. Alors. Qu'est-ce que tu peux construire ici? Des furies. Construis des furies, mon ami. Ah, mais j'ai de l'argent. C'est déjà pas si mal. Déchu, rejeton du chaos, Manticore. Il me faut combien pour ça? 15 000 balles. C'est cher. Ah, je peux lui faire un chemin vers la gloire. Ça me coûte 2020. Toi. Allez. Ah, je sais pas ce que je fais. À l'arrière, elle peut aller jusqu'où? Ah d'accord. Ok. Elle peut faire la moitié du monde. D'accord. Littéralement. Ça me fait un peu peur. Ça va bien se passer. Attends. Toi, pourquoi tu peux pas te déplacer? Pourquoi tu veux pas te déplacer? Tu vas me dire que comme j'ai lancé la construction d'un bâtiment et que je suis revenu en arrière, tu peux plus te déplacer? D'accord. Ça me semble bizarre. Oh, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Je ne peux même pas changer son mode de déplacement, donc c'est comme ça. C'est la vie. It's life. Life is life, comme on dit. Là, 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 là. C'est ça. Résistance physique, c'est bon, c'est résistance physique. Pourquoi j'ai des boucaniers zombies? Ah oui, si, il a construit un machin d'allié là. Ça doit être ça. Bah non. Je peux même pas faire de recrutement allié. Pourquoi j'ai des boucaniers zombies à Arnheim? Je peux pas te dire. Bah si, j'ai un poste avancé des morts-vivants, mais je peux pas recruter chez les morts-vivants. D'accord, tout va bien. Ah non, il faut que ce soit peut-être moi qui le construise. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je vais aller chasser aller de la ruine. Let us go. Tu peux aller jusqu'où si tu... Putain, on marche forcé, je vais que jusque là quoi, t'es sérieux. Voilà, on va faire un peu de régène. Toi tu vas être par là. On va tenter ça, hein. Et toi qui sert à rien. Tu peux vas tenter être ça. plutôt par là. Toi t'es quoi? Ah toi t'es les nains là. Ah, c'est Moi pas... je suis mort. C'est vrai qu'il y a des nains. T'es vraiment mort, toi? Ouais, il faut que j'aille revoir ta situation. Je sens que tu as besoin de conseils, Ah là. non, c'est parce que tu étais en recrutement. Je Alors arrête sens de que tu as recruter. besoin de conseils. Toi, tu vas totalement pas proposer le Voilà. chemin de la Et donc gloire. maintenant tu peux t'en aller. Alors elle va jusqu'où? Jusque-là. J'ai Donc si 15 000 tu vas. sous. Ça fait beaucoup, 15 000 sous. Très vite en avoir beaucoup moins, mais... Si tu veux, elle va où? Faut que tu ailles là. Ah mais tu peux te mettre en garnison dans la ville. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ça, les postes avancés, ils vont se faire voir.
Ailleurs, Nettoie si je plutôt là. suis... Quark. Ah, je suis en dehors de sa portée. J'ai fait l'ordinateur. Je me suis mis à 1 cm de sa portée. On avait dit des sorts du massacre, c'était bien. Et quoi d'autre? Pourquoi ça devait être un truc comme ça? Dans les régions adjacentes, ça me servirait qu'une seule fois, ça. C'est nerveux. Pourquoi je peux pas avoir ça? Parce que j'ai pas 3. Ah! Par contre, si j'attends, je pourrais avoir le truc des hydres. Je vais peut-être attendre 2 tours pour avoir le truc des hydres. Ça me paraît une bonne idée. Et croissance de l'arche noire plus 6, ça me paraît une bonne idée. Alors, Morati. J'ai dit que tu avais besoin de mes conseils. Certainement. Ah. C'est Nehek. On va faire une résolution auto. Hein. Mais je vous le dis tout de suite. Voilà. T'en avais fini avec Zoat là? Oui. Ah non, il reste. Oui, il reste Kelly qui. Il se fait assiéger par les Skaven. Alors, elle est où la Lariel? Ah oui, tu te souviens que tu avais une deuxième armée qui arrivait derrière? Oui. Ça, je m'en souviens bien. Sur un pont trop loin. C'est ça. Après, par contre. T'as quoi? T'as ça là. Je peux recruter des guerriers du chaos. T'as ça là. T'as 3 armées, on est d'accord? Ouais. Enfin, j'en ai 4. 4. Si on compte l'arche noire. 4 avec l'arche noire. Et elle est où, machine? Là, au niveau d'Exoalt. Non, mais Morati, elle est où? Elle est aux exilés de Nehek, sur la gauche, au pic des tyrans. Ah, d'accord, tout à gauche. Parce qu'en fait, j'avais lancé la campagne contre eux avant de me faire. Ouais. Chaudronner. Chaudronner, c'est tellement bien dit. T'as vu ça? Ouais. Et comme il me reste plus que derrière l'antre de Scarpel à prendre pour avoir la région, autant que j'aille la chercher, quoi. Je ferai la paix avec les exilés de Nehek après. Pas très grave. Pour pas les avoir dans mon dos. Ouais, tu laisses. Je leur laisse une ville et on les attaquera dans 10 tours. Ils ont Spire de Clarac et Plaine des Chiens. Ouais. Mais j'irai les taper dans 10 tours, quoi. Ok. Bon, alors, c'est bon pour moi. Attends. Mais moi, je peux recruter des unités de renom aussi. Et des unités alliées. Genre, je peux faire ça. 1, 2, 2 guerriers du chaos supplémentaires. Ça me paraît bien. Et je pense que Arnheim est. Enfin, je vais laisser à l'Ariel se balader là, quoi. Ouais, c'est elle qui choisit où elle veut se balader. Ouais. Et en fait, mon armée, je me demande si je vais pas la faire revenir par le nord et. Enfin, je vais me démerder. Ça fait un grand détour. Le problème, c'est que si tu passes par le nord, tu vas passer par les elfes sylvains qui, à mon avis, vont pas aimer. Non, mais ça, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Toi qui le dis. Peut-être qu'eux, ils vont trouver ça grave. Ils ont trop d'archers. Elle a trop d'archers dans son armée à l'Ariel. Amélioration des bâtiments possibles. Alors oui. Alors, des postes avancés. Chez les vipères bleus. Chez des orques. Est-ce que c'est utile? À mon avis, c'est pas très utile. Je t'ai fait pote avec les vipères bleus. C'est qui? Ouais. Ah oui, c'est au sud. Ouais, c'est les orques au sud. Là. On va recruter des orques sauvages. Quoi. De toute façon, ils vont bientôt mourir. Hein. Ah non, pardon, c'est leur armée. Rébellion imminente, où ça? Ah oui, d'accord. Oui, bah oui. Oui, bah ça, c'est pas grave. Il y aura une rébellion devant Morati. Morati, elle va l'écraser, ça ira très bien. Elle devrait s'en sortir. Une rébellion de niveau 1, je pense que ouais. Alors, que, contre,
Que fait la mémère? Ah, elle va vers la pointe du robe gris. Ouais. Alors là, peut-être. Et Diorus. Peut-être qu'avec la garnison, on peut l'avoir en victoire. Parce qu'elle l'a pas assiégé. Donc attention, on va tenter une manœuvre fourbique. Ouais. Tu seras à 20 unités sur ton arche noire là ? Non. Mais attends, je vais tenter un truc. Je veux voir un truc avant. On va faire de la sauvegarde et on va tester des trucs. Bon, je mets en vitesse rapide. Hein. Ouais. Bonne idée. C'était surtout que je voulais voir ce que faisait à l'Ariel en fait. Bon. Parce que je pense que si on lui détruit son armée d'Alariel, ça va déjà lui faire très très mal. Ah bah ça c'est sûr, et puis elle perdra l'épée de Kane, donc ce sera plus facile pour toi. Et ce sera mon amiral qui la récupérerait en théorie, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ouais, ce qui est un peu naze. Non mais ça c'est pas grave, de toute façon je la prendrai pas, ça donne trop de malus. Mais si je la prends pas, il la pose où? Il la pose dans mon territoire. Non, elle est renvoyée à l'hôtel de Kane, je crois. Ah d'accord. Trog, que me veux-tu, Trog? Une alliance défensive, j'ai dit que j'en voulais pas. Il me semble que j'avais dit que j'en voulais. Oui, parce que t'étais en guerre contre les légions extatiques. Et j'ai pas envie de me mettre mal avec les légions extatiques. C'est quoi ça? Pourquoi l'éclat de la lune, il brûle tout en rouge, là? Je ne sais pas. Bon, sa deuxième armée, elle a quoi, l'Ariel? Parce que sa deuxième armée, je peux peut-être y faire quelque chose. C'est aussi que des archers. Bah, c'est des elfes sylvains. Non, c'est des hauts elfes. Des hauts elfes, pardon. C'est des hauts elfes. Bah... Mais c'est que des archers. Ouais. Ah, la chasse sauvage commence. Ouais. Alors. J'en ai pas grand chose à faire. Alors, attends. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Vous êtes chez moi. Cassez-vous. Voilà. J'ai pas eu besoin de toi pour celle-là. Ça me rassure. Ah, j'ai besoin d'esclaves. J'aime bien quand tu me dis ça. J'aime quand tu me parles comme ça. T'inquiète pas. Je fais des résolutions auto, ne t'inquiète pas. Non, mais... Voilà. Moi, j'aime bien jouer les elfes noirs. Moi aussi, je vais sans doute faire un résolu auto. Donc. Non, mais alors, c'était une petite colonie sans mur, sans rien. On va peut-être éviter. Ouais, c'est une grosse colonie, mais je vais quand même la défoncer. C'est quand même la capitale de... Hop, offrir au vaisseau. Alors, on est d'accord que Valkia, je fais petit sexoman. Hein. À l'arrière. Alors, attends. Attends. Bouge pas. La sauvegarde est faite. Si j'attaque avec mon arche noire. Attends deux secondes, il faut juste que je récupère. J'ai toujours un peu du mal. Juste voir un truc. Oh, fuck. Une défaite décisive. Mais pourquoi j'ai pas mes renforts? Parce que c'est toujours bizarrement géré les combats navals. Combats navals. Ah ouais. Non. Bon. Bah tu vas aller dans la colonie, hein, c'est pas grave. Fais chier. Ça c'est mal géré. Alors, juste deux secondes, toi tu vas là-bas. Le pic des tyrans, on peut construire des choses. Oui. On peut construire plein de choses, c'est très bien. J'ai un souci. T'inquiète, il va falloir recharger. Ouais, j'ai toujours un peu du mal à gérer le coup des forteresses sombres. Avec les vassaux, c'est un peu. J'ai bien fait de sauvegarder. Alors. Non, faut parce que ben, je crains que ce soit la fin de tour précédente. D'accord. Ok. Bien, on va mettre en pause. Ça, ouais. Et heureux les gens. Alors,
Vu qu'on sait à peu près ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on est un petit peu trop fort, eh bien, je vais recruter un seigneur, lui mettre des troupes dedans, au cas où à l'Ariel, elle arrive. Cheater, arrête de cheater. C'est ça. On va prendre une petite sorcière de la mort. C'est la mort hein, qui a le buveur d'esprit. Oui. On va peut-être pas mettre Mara, la sorcière de corps à corps. Ça ne me paraît pas forcément une bonne idée. Tu veux avoir besoin de sous ou pas? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, j'aurais peut-être besoin de sous, ouais, pour le coup. Je vais annuler quelques constructions. Alors, on va lui mettre... Ça, ah oui, attends, il faut que je prenne des unités. Alors, je peux recruter que deux unités parce que je suis elfe noir, faut pas l'oublier. Ouais. Quoique... Alors, l'amiral, c'était quoi? Attends. Enlève tes deux cavaleries de merde, l'amiral, voilà. Comme ça. On peut prendre. Je vais te dire si j'ai besoin de sous. Bah écoute, j'ai annulé, j'ai en stock. J'ai à la banque. Et à la banque? C'est marrant, je peux pas annuler ma fin de tour. Impossible de recruter cette unité. Ah oui, parce qu'il manque, il y aurait 7 tours. Ok. Voilà. J'ai annulé ma fin de tour. Et en recrutement allié. Est-ce que ce serait pas mieux que j'annule les deux guerriers du chaos là-bas et que je les mette là? Ça, je saurais pas te dire. Bah écoute, j'ai encore des sous, donc tout va bien, je n'ai pas besoin de ton argent. C'est bon? Bon bah du coup, oui. je vais remettre mes constructions. Hein, voilà. Donc on va voir si Alariel fait la même chose. Mais si elle fait la même chose, je pense que ça va lui faire bizarre. Il y a peut-être moyen que cette fois ça passe. Sur un malentendu. Parce que je sais pas si... je sais pas comment ils géraient l'IA. Alors je sais que dans XCOM... Alors attention. XCOM... J'ai passé. L'IA, elle est préprogrammée à l'avance. C'est-à-dire qu'elle fera toujours la même chose. Si tu fais les mêmes mouvements, elle fera toujours la même chose. Bon. Et tous les tirs feront exactement les mêmes résultats. Elle a fait la même chose. Très bien, merci. Alors oui ou pas, sur XCOM ça dépend en fait si tu... Non c'est une question de... Ah non, moi je te parle, ça a été fait en tout l'asticité de speedrun, ils ont vraiment testé le truc, de tout lui faire exactement tous les mêmes mouvements, l'IA fait exactement tous les mêmes mouvements qu'elle aurait fait dans toutes les parties. 100% des cas, ça marche comme ça. En fait c'est un truc un peu bizarre, c'est si tu déplaces ton unité de 3 cases devant, par exemple ton soutien, tu le déplaces de 3 cases vers l'avant, lui il va bouger son unité d'une certaine manière, et tu peux refaire 200 fois la même manipulation, elle fera 200 fois la même chose. Ça, si c'est... tu fais tout exactement dans l'ordre. C'est une question de graines en fait. Je trouve ça très très drôle. Ah. Mais comme je sais pas comment il gère, parce que là j'ai vu que et Athènes n'a pas fait le même mouvement, mais Alariel a fait le même. Ah. Alors, bon, on va voir ce que ça donne avec Alariel. Je vais peut-être faire une sauvegarde. Oui, je ferai une sauvegarde avant. Ah, attends, moi j'ai un event. Tu peux rien faire. Tribu des vaisseaux, je m'en fous. Autorité, je m'en fous. Bon, je donne les tribus des vaisseaux. C'est bon, tu peux. Alors, je vais sauvegarder. Donc on est d'accord que c'est le... Alors, est-ce que ça sauvegarde? Voilà, tout à l'heure ça ne l'avait pas fait, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais faire Morati avant, parce que ça me fait moins peur, voilà. Et puis ça va me donner des sous, j'aime bien les sous. Ah bah cette fois c'était du chaos, c'était pas des... D'accord. J'ai même pas eu la même révolte. C'est marrant ça. J'avais eu une révolte d'elfe noir et là j'ai une révolte de démon du chaos de Slaanesh. C'est rigolo. C'est assez drôle. Voilà. Hop. Voilà. Ok. La côte descend. Alors, maintenant, on ramène notre ami l'amiral. Ça c'est mieux.
Dès qu'il pourra se déplacer. Parce que ça se met en ce mode là. Ok, il se met là. Attends, je vais avoir un combat moi. Ah non ! Défaite valeureuse ! Putain. C'est juste au bon moment. Bah, je peux annuler l'attaque. Hein. T'as combien de. T'as quoi du coup ? Comme troupe ? On est en défaite valeureuse, quoi, t'es sérieux? T'as quoi comme troupe? Non, mais vas-y, fais ta bataille. Non, mais c'est une bataille auto, moi. Ah oui, non, mais fais-la. Hop. Tac. Tac. Et je veux occuper, du coup. Puisque c'est une. Forteresse. Ah, très bien, avec sensible du chaos. Ok. Ça me fatigue. La question. Comment est-ce qu'on pourrait tricher? La question. La question, c'est est-ce que c'est une défaite valeureuse qui serait une défaite valeureuse si tu l'as joué toi-même? Ben je ne sais pas. Parce que la dernière fois que c'était défaite valeureuse contre elle, on s'est fait laver. Hein. Mais on l'a pas très, très, très bien joué non plus. Donc, ça joue peut-être. Ouais. Je ne sais pas. De toute façon, ce que je te propose, c'est qu'on arrête l'épisode ici. Et puis qu'on y réfléchisse, et puis qu'on le fasse, et puis... Bah, de toute façon, on va la tenter, il faut la tenter, il faut que je repousse à l'arrière, j'ai pas le choix. Et puis qu'à la fin, on gagne. Parce que là, j'ai Ivresse qui arrive. En plus, je pourrais pas gérer Ivresse et à l'arrière en même temps. Ce sera pas possible. Ça va être compliqué. Mais écoutez, on vous fait des bisous, ouais. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On allez, bye bye. On adore faire des bisous.